Lolita Camille Callen a lancé le 6 septembre sa marque de skincare, la marque Voilà, que je me suis évidemment empressée de tester. Pour ce lancement de marque, on va avoir trois références. On a une crème de jour, on a une crème pour les mains et on a une crème pour le corps. Tous les produits sont évidemment vegan. Et alors, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est le taux de naturalité de ces produits. On est quand même à minimum 96%. Extrêmement surprise aussi de la propreté de la listing qui, de toute façon, c'est pas quelque chose auquel je ne m'attendais pas venant de Nolita. Mais la listing qui est particulièrement clean. On retrouve aucun silicone dans ces produits, aucun parabène évidemment, pas de PEG. Et ça, c'est quelque chose qui est rarement souligné, je trouve, par les marques. Mais en tout cas, ici, il n'y en a pas. Et alors, les amis, notre favori, bien évidemment, le phénoxyéthanol. Eh bien, figure-toi qu'il n'y en a pas dans ces produits. Ça fait une semaine maintenant que je teste les produits et j'adore l'odeur. Franchement, si tu aimes la fleur d'oranger, c'est exceptionnel. Parce que c'est pas trop fort, c'est pas entêtant, c'est hyper doux. Oh, j'adore. Packaging hyper épuré. D'ailleurs, la crème pour les mains me fait un petit peu penser au pack de chez Typologie. J'aime beaucoup la crème hydratante aussi parce qu'elle donne un super beau glow. Mais on pourrait croire que j'ai la peau grasse alors que pas du tout. J'ai pas du tout un effet film gras ni un effet qui colle. Donc parfait hein, d'ailleurs pour se maquiller au-dessus de cette crème. Donc voilà, en tout cas, je vous invite fortement à aller découvrir cette petite nouveauté qui est quand même très très réussie, je trouve. Encore bravo d'ailleurs Camille, franchement, 10 sur 10. Je n'ai malheureusement pas de code promo à vous proposer. Par contre, je sais qu'on peut acheter en kit les trois produits. Donc voilà, en tout cas, il y a moyen d'avoir les produits à un prix plus avantageux. Je vous fais des gros bisous. Ciao. Je t'aime.